il est toujours compliqué de savoir si la personne qui se tient devant nous dit la vérité ou non. Si c'est le cas pour toi, alors, like la vidéo et abonne-toi. L'expert en comportement humain et docteur, David Lieberman, détaille des méthodes efficaces pour mieux connaître ses amis. Alors, comment connaître ses amis? Numéro 1, vous êtes totalement à l'aise en sa présence. Il connaît tous vos secrets les mieux gardés, vos rêves les plus fous, et tous ces caprices que vous partagez simplement avec les gens avec qui vous vous sentez à l'aise. Il connaît les détails de votre vie amoureuse, vos souvenirs d'enfance les plus précieux et toutes ces histoires embarrassantes que vous ne partagez qu'avec tout le monde. Il veut tout savoir sur vous et c'est ce qui différencie un véritable ami d'un faux à bien des égards. Numéro 2, il accepte tout chez vous, y compris vos défauts. Il ne cherche pas à vous changer, mais tout simplement accepte tout chez vous. Vos caprices, vos défauts, vos qualités et tout ce qui fait votre personnalité. Cela ne signifie pas qu'il doit être d'accord avec tout ce que vous dites ou vous faites. Mais il ne serait pour rien au monde de changer votre personnalité. Vous avez l'impression de pouvoir lâcher un grand soupir de soulagement quand il est là. Parce que cette personne voit en vous des choses positives que vous-même lorsque vous ne les voyez pas. Numéro 3, il reste à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est probablement ce qui distingue un vrai ami d'un faux à bien des égards. Dans les moments difficiles, un véritable ami ne vous laissera pas seul dans votre coin. Au lieu de cela, il vous proposera son aide et vous aidera à remonter la pente. Les faux amis, eux, ne sont que là lorsque tout va bien et disparaissent quand ils doivent vous aider à surmonter vos problèmes. C'est un véritable fardeau pour eux. Numéro 4, il pardonne vos erreurs. Il ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait et vous n'avez pas l'impression de devoir marcher sur des œufs juste pour obtenir son approbation. Il sait que vous faites des erreurs de temps en temps et que vous n'avez pas à faire de grandes excuses. Il sait que vous avez des bonnes intentions malgré toutes les erreurs que vous pourriez faire. Numéro 5, il ne parle pas dans votre dos. Les vos amis ne parlent jamais sur votre dos quand vous quittez la pièce. Ils agissent comme des adultes et vous confondent personnellement s'ils ont besoin de vous parler. Ils vous respectent pour ne pas répandre des rumeurs et tenir votre réputation derrière votre dos. Alors les amis, c'est déjà la fin. Si tu as pu découvrir qui est ton ami dans ton entourage grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de liker et de commenter. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.